Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les fleurs du mal sont le premier livre à avoir utilisé des mots de provenance non seulement prosaïque, mais urbaine dans la poésie lyrique. Elle n'évite nullement les néologismes qui, dépourvus de patine poétique, frappent l'œil par leur éclat tout neuf. Elles connaissent quinquet, wagon ou omnibus. Elles ne reculent pas devant bilan, réverbère, voirie. Walter Benjamin, dans les notes pour un livre inachevé sur Baudelaire, soulignait ainsi que le poète était l'un des premiers à avoir fait de la ville un sujet poétique à part entière. La ville, ou plus exactement sa ville, Paris. En 1980, pour la série « Un homme, une ville », Jean Montalbetti consacrait 3 émissions au Paris de Baudelaire. Après avoir arpenté le quartier latin de son enfance, puis l'île Saint-Louis et les cafés littéraires de sa jeunesse, le temps était venu, dans ce dernier épisode, de parler des lieux qui ont nourri ses écrits critiques. Parmi eux, la chapelle de l'église Saint-Sulpice, décorée par Delacroix, que Baudelaire admirait tant, et qui est ici l'occasion d'éclairer son rapport complexe au romantisme et à la religion. Car c'est bien pour atteinte à la morale religieuse que furent notamment condamnées les Fleurs du Mal. L'histoire mouvementée de leur publication est ici contée comme un vrai drame à rebondissement. Un homme, une ville, Baudelaire à Paris, par Jean Montalbetti, 3e et dernier épisode, un martyr romantique. Première diffusion le 6 juin 1980. Je t'aime, ô ma très belle, ô ma charmante. Que de fois, tes débauches sans soif et tes amours sans âme, ton goût de l'infini qui partout dans le mal lui-même se proclame, tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes fêtes, tes faubourgs mélancoliques, tes hôtels garnis, tes jardins pleins de soupirs et d'intrigues, tes temples vomissant la prière en musique, tes désespoirs d'enfant, tes jeux de vieille folle, tes découragements et tes feux d'artifice, éruptions de joie qui font rire le ciel muet et ténébreux, ton vice vénérable étalé dans la soie et ta vertu risible au regard malheureux, douce s'extasiant au luxe qu'il déploie, tes principes sauvés et tes lois conspuées, tes monuments hautains où s'accrochent les brumes, tes dômes de métal qu'enflamme le soleil, tes reines de théâtre aux voix enchanteresses, tes tocsins, tes canons, orchestres assourdissants, tes magiques pavés dressés en forteresse, tes petits orateurs aux enflures baroques, prêchant l'amour et puis tes égouts pleins de sang, s'engouffrant dans l'enfer comme des orénoques, tes anges, tes bouffons neufs aux vieilles défroques, anges revêtus d'or, de pourpre et d'hyacinthe. Ô vous, soyez témoin que j'ai fait mon devoir comme un parfait chimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Claude Pichois, nous avons essayé d'atteindre le point culminant de Paris, puisque nous sommes actuellement sur les marches du Sacré-Cœur. Ce matin, il y a beaucoup de brume, des nuages, des averses de temps en temps, et puis en ce moment, un rayon de soleil qui éclaire ce paysage et cette vue générale de Paris que nous avons, et qui va nous permettre d'évoquer les différents Paris de Baudelaire, c'est-à-dire le Paris ancien, le Paris de la transformation d'Haussmann, et ensuite le Paris futur, le Paris de l'avenir, dont il voyait se dessiner un certain nombre de perspectives que nous avons actuellement sous nos yeux. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette topographie du Paris que nous avons actuellement? De notre droite, nous voyons la tour Maine-Montparnasse, qui n'enrichit pas le paysage de Paris. Nous apercevons, en allant vers la gauche,
nous apercevons les tours de Saint-Sulpice, dans le lointain le Panthéon, un peu plus près bien entendu les tours de Notre-Dame, Saint-Eustache, vers la gauche, rouge et bleu par sa toiture, nous voyons Beaubourg. Derrière Beaubourg, d'immenses tours modernes qui se dressent du côté de la place et de la porte d'Italie. Nous avons un immense paysage parisien que nous avons, rive droite et rive gauche. La Seine est indiscernable pour nous actuellement et ne sont guère discernables non plus les grands axes que Haussmann a tracés dans Paris pour le rendre si logique et si clair et pour l'ouvrir à la circulation. L'axe nord-sud, boulevard Magenta, boulevard Saint-Michel, et l'axe est-ouest, celui qui va rejoindre le faubourg Saint-Antoine à la place de la Concorde et aux Champs-Élysées par la rue de Rivoli prolongée. Imaginons donc Baudelaire montant ici en 1861-1862 après la publication de la deuxième édition des Fleurs du Mal. Et il a quelque mal, sans doute, à reconnaître le Paris de son enfance et le Paris de sa jeunesse. Car au fond, il a connu trois Paris. Un Paris encore médiéval, un Paris de l'époque classique. Ensuite, un Paris en pleine transformation, sous la Deuxième République et pendant les premières années du Second Empire. Et enfin, le Paris haussmannien, qui est resté le nôtre jusqu'aux grands travaux des deux dernières décennies. Mais pour Baudelaire, trois Paris se sont succédés. Le Paris ancien, nous l'avons évoqué devant le Louvre, près du Louvre, et en effet, c'est l'un des axes que Haussmann va tracer au travers de ce Paris ancien. C'est l'axe est-ouest qui va rejoindre la rue du Faubourg Saint-Antoine aux Champs-Élysées. Le prolongement de la partie nord du Louvre qui va rejoindre l'ancien palais du Louvre au palais des Tuileries. Ce palais des Tuileries, il faut donc l'imaginer fermant l'immense quadrilatère qui commence à l'est par la colonnade du Louvre. Et Haussmann va tracer dans ce Paris un autre axe, l'axe nord-sud, avec le boulevard Magenta et le boulevard Saint-Michel. Ainsi, Paris devient, avec Manhattan, sans doute la ville la plus logique, la plus claire des grandes capitales occidentales. Or, vous le savez, on dit que Baudelaire est un poète du passé qui tourne volontiers ses yeux vers quelque chose de lointain. On prétend qu'il n'aime pas le progrès. Mais je trouve que dans telle page du Salon de 59, où il évoque les échafaudages des travaux en développement, dans cette page où il parle à la fois de Mérion et de Hugo, on trouve un Baudelaire qui est sensible à la transformation de Paris, non pas encore au Paris transformé, mais à la transformation de Paris, comme si Paris devenait un autre Paris et que sous le Paris ancien déjà se dessinaient les traits d'un Paris nouveau. Nous sommes dans une cour-jardin, une double cour-jardin, au cœur du 6e arrondissement. Nous avons l'impression d'être un petit peu transportés en province ou bien au 19e siècle. Nous avons une maison ici avec des volets à tous les étages, une vigne vierge qui court jusqu'en haut de la maison. Il y a de grands arbres. Et dans cette cour, qui est proche de la rue Jacob, de la place Fürstenberg, nous avons ici l'atelier de Delacroix, occupé du moins pendant les dernières années de la vie de Delacroix. C'est un atelier assez haut, sur deux niveaux, et il y a des hauts-reliefs. Oui, des hauts-reliefs qui représentent des lutteurs, qui sont des imitations, je pense, de hauts-reliefs antiques, comme des panathénées au-dessous. Ce qui prouve d'ailleurs le goût classique de la croix, qui a été, comme Baudelaire, partagé entre le goût classique et les aspirations romantiques. Il y a également un vieux puits ici. Nous allons monter alors au premier étage de l'atelier de la croix où il travaillait.
Madame Cérulas, vous êtes la conservatrice de ce musée. À quel moment est-ce que Delacroix arrive dans cet atelier de la place Fürstenberg? Delacroix est arrivé en 1857. Après avoir longtemps cherché un endroit qui serait à la fois commode et en même temps le plus près possible de cette église Saint-Sulpice qu'il savait devoir bientôt décorer. Et nous savons aussi que c'est lui qui avait décidé de l'aménagement de la façade extérieure de l'atelier que vous venez de voir en choisissant les moulages des bas-reliefs. C'est lui véritablement qui avait songé à tout. Et il occupait alors l'appartement qui est juste au-dessus, où est installé maintenant le musée, ainsi que cet atelier où il travaillait. Exactement, c'est-à-dire qu'il était en fait sur deux niveaux. Est-ce que vous pensez que Baudelaire ait pu lui rendre visite dans cet atelier? Chronologiquement, c'est possible. Est-ce qu'il y a eu des contacts d'abord entre les deux hommes? Ça, il faudrait poser la question aussi bien à M. Pichois. Il y a eu des contacts, bien sûr. Les traces ne sont pas très fréquentes, mais il y a eu... Baudelaire, si mes souvenirs sont exacts, a suivi Delacroix un jour dans la rue. Oui, mais je crois que ça a été une rencontre manquée. Je ne crois pas que Mme Cérulas me donne tort. Il y avait chez Delacroix un grand bourgeois ou quelqu'un qui voulait être un grand bourgeois et qui comprenait mal cette admiration que lui vouait quelqu'un qui avait été un bohème et qui a été ensuite condamné en correctionnel. Si bien que cette admiration de Baudelaire inquiétait, je crois, un peu Delacroix. Et bien que ce fût la seule admiration constante que Delacroix ait trouvée chez un de ses jeunes contemporains. Avec le recul du temps, on est certainement un petit peu, je dirais, déconcerté finalement de voir qu'un homme comme Delacroix, qui était à ce point tout de même toujours en but aux critiques et qui avait une position très officielle, mais qui malgré tout restait un petit peu la tête de turc de la critique d'art, ne se soit pas laissé un petit peu séduit par tout d'un coup cet homme qui semblait, enfin en tout cas on le sait maintenant, mais enfin lui avouer depuis sa jeunesse une admiration qui ne s'est jamais démentie. Et il y a une sorte de, je dirais, de retranchement de Delacroix, finalement, derrière, probablement dû à une volonté de ne se consacrer qu'à son œuvre. Il l'a dit, d'ailleurs, à un certain moment, dans son journal. Des critiques, qu'elles soient élogieuses ou négatives. Il s'est retiré du monde officiel. Or, à partir du moment où Delacroix arrive ici, en 1857, il ne réapparaîtra pour la dernière fois au salon que 2 ans plus tard, en 1859, et après, c'est fini. Delacroix n'explose plus jamais au salon et se consacre presque exclusivement, finalement, à la décoration de la chapelle des Saints-Anges. Vous pouvez nous montrer quelques œuvres de Delacroix que vous avez dans cet atelier? Oui, alors la pièce où nous allons nous rendre, qui est une toute petite pièce... Oui, à l'entrée de l'atelier. À l'entrée de l'atelier, est une évocation, en fait, de l'un des plus grands ensembles décoratifs réalisés par Delacroix, ce que nous considérons tout de même comme l'un des grands chefs-d'œuvre de sa création artistique. C'est la décoration de la bibliothèque de la Chambre des députés, qui comprenait une salle de dimension extrêmement imposante, et Delacroix avait à décorer 2 grands hémicycles et toute une série de pendentifs. Et Baudelaire d'ailleurs parle avec admiration de cette décoration de la bibliothèque de la Chambre des députés, de même que de la décoration de la bibliothèque du Palais du Luxembourg, faite par Delacroix. Là, nous entrons dans la grande salle de l'atelier. Alors, cette salle comporte toute une série d'œuvres de Delacroix ou d'après Delacroix ou d'élèves de Delacroix, avec notamment des œuvres de son cousin Léon Riesner, qui a beaucoup travaillé, je dirais, dans l'ombre de Delacroix. Je pense peut-être que les choses les plus importantes qui sont évoquées ici, qui ne viennent pas d'ailleurs de Delacroix, mais qui sont aussi d'un de ses amis, Frédéric Villot, c'est la copie de la grande composition du Sardanapale qui se trouve au centre du mur principal de l'atelier. Et
à l'aide justement de cette copie qui n'a peut-être pas toute la fougue de la grande composition de Delacroix, nous rejoignons la Baudelaire. Et je dirais qu'à travers cette œuvre, on peut retomber justement sur cette admiration que Baudelaire avait précisément pour ce tableau. Devant un tableau comme La mort de Sardanapale, il faut même rappeler l'extraordinaire cri d'enthousiasme de Baudelaire aux dernières années de la vie de Delacroix, de sa propre vie à lui, Baudelaire. Le Sardanapale revu, c'est la jeunesse retrouvée. Et ça, c'est la caractéristique fondamentale des deux œuvres. C'est leur point d'attache au romantisme dans ce qu'il a de plus profond et non pas dans ce qu'il a de pittoresque. Et pourtant, Baudelaire, dans son salon de 1846, fait de Delacroix le chef de l'école moderne, comme il dit. Delacroix, il le place à la tête du romantisme, alors que, comme il oppose Hugo, il dit d'Hugo qu'il en est, lui, exclu. Oui, et c'est une question que j'aimerais bien poser à Madame Cérula. Comment, romantisme étant équivalent de moderne, comment Delacroix peut-il être le chef de l'école romantique aux yeux de Baudelaire, étant donné qu'il est si peu moderne? Dans le choix de ses sujets, il y a très peu de portraits et très peu de sujets contemporains peints par Delacroix. Ce sont des scènes orientales, des scènes médiévales, des scènes antiques, mais il y a très peu de sujets contemporains, à l'exception de la liberté sur les barricades, je ne vois pas. Les massacres de Sion. Les massacres de Sion, mais c'est aussi un peu oriental. C'est oriental, mais c'est un sujet brûlant. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a eu ces épisodes tout de même extrêmement sanglants, il y a eu tout un mouvement favorable, je dirais, à l'indépendance grecque, et que je crois que c'est Casimir de la Vigne qui disait « en Grèce, nous tous, il faut partir ». Donc à ce moment-là, Delacroix véritablement a saisi un événement strictement contemporain. Cela dit, effectivement, les sujets de Delacroix sont des sujets inspirés d'une littérature qui est ou médiévale, Shakespeare et Dante essentiellement, mais aussi Byron, mais aussi Walter Scott, c'est déjà et plus près de lui. Casimir de la Vigne. Mais je pense malgré tout que ce problème, je dirais, de rapport entre une notion de romantisme et une notion de modernité se situe beaucoup plus au niveau de la technique même de Delacroix qu'au niveau des sujets. Technique et couleur. Et un homme comme Baudelaire, qui était profondément poète et sensible justement à un rythme, je dirais, à la fois des mots, à une certaine musique, toujours ce jeu des correspondances, pressenti ce qu'il y avait chez Delacroix, justement, d'extraordinairement novateur sur le plan strictement de l'écriture. Novateur sur le plan de l'écriture, également, il était curieusement sensible chez Delacroix à une certaine affinité religieuse, peut-être, qui était coupée, justement, de toute expression religieuse traditionnelle. J'ai relevé ces phrases dans le journal de 1846. Eugène Delacroix est universel, il a fait des tableaux de genre pleins d'intimité, des tableaux d'histoire pleins de grandeur. Lui seul, peut-être, dans notre siècle incrédule, a conçu des tableaux de religion qui n'étaient ni vides, ni froids comme des œuvres de concours, ni pédants, ni mystiques ou néo-chrétiens comme ceux de tous ces philosophes de l'art qui font de la religion une scène d'archaïsme et croient nécessaire de posséder avant tout la symbolique et les traditions primitives pour remuer et faire chanter la corde religieuse. Oui, alors je crois qu'on pourrait réconcilier en effet Delacroix, Baudelaire et Hugo, le Hugo de l'exil, sur cette base commune, c'est que le religieux, c'est avant tout le contact avec le sacré, indépendamment de toute église. Et ce que l'on aperçoit dans les tableaux de Delacroix, dans les poèmes de Hugo, dans les contemplations, dans la légende des siècles, dans les poèmes de Baudelaire, c'est cette relation avec quelque chose qui apparaît obscurément au fond de la vie et qui n'est plus religieux, mais qui est contact avec le sacré, respect de la vie et de toutes ses manifestations.
Pierre-Emmanuel, il y a peu de lieux à Paris, de lieux religieux où l'on puisse évoquer les rapports de Baudelaire avec Dieu et avec la religion. Nous sommes ici dans l'église Saint-Sulpice, dans la première chapelle en entrant, qui a été décorée par Delacroix. Il y a bien sûr une autre église que l'on, où nous aurions pu nous rendre, c'est l'église de Namur, où il se trouvait lorsqu'il a été frappé par la crise d'hémiplégie. Mais Saint-Sulpice est tout de même l'église dans laquelle il a été baptisé. Oui, c'est émouvant de penser que nous sommes en effet dans l'église où il a été baptisé. La question du rapport entre Dieu et lui, du dialogue entre Baudelaire et Dieu est restée pour moi une des plus mystérieuses. J'ai écrit un livre là-dessus autrefois, mais dont maintenant je changerai peut-être le titre. Au lieu de l'appeler Baudelaire devant Dieu, je l'appellerai Baudelaire, les femmes et Dieu. Vous parliez tout à l'heure de Namur. J'ai fait un pèlerinage à Namur au moment du centenaire de la mort de Baudelaire. Cet endroit m'avait aussi beaucoup frappé, peut-être plus que Saint-Sulpice lui-même, à cause de la splendeur baroque du lieu, et en pensant qu'il avait été frappé là au milieu d'une beauté, d'une église d'une beauté quasi féminine, alors que Saint-Sulpice est austère et sévère. C'est une église qui rappelle beaucoup plus la rigueur janséniste que la chaleur et presque la sensualité du baroque. Mais tout de même, cette chapelle décorée par Delacroix, c'est presque un lieu baudelairien. Presque un lieu baudelairien à cause de ce qui est en face de nous, qui est ce tableau ou cette fresque représentant la lutte entre Jacob et l'ange, et où l'ange est à la fois si féminin et si fort, et où le regard de l'ange sur Baudelaire, c'est curieux de dire ça, sur Jacob, semble le transpercer. Pourquoi je dis sur Baudelaire? Parce que je pense que... Lui aussi s'est battu avec l'ange. Lui aussi s'est sûrement battu avec l'ange, oui. Absolument. Je sais simplement que la préoccupation de Dieu est fondamentale chez lui, et que les problèmes de type psychique avant d'être de type spirituel, que c'est... tout à fait la force de l'instinct qui le met en face d'un Dieu devant lequel il se sent coupable. Alors, quel est ce Dieu? Ce n'est certainement pas, sauf dans un ou deux textes, le Dieu chrétien. C'est une force omniprésente et personnelle en face de laquelle il se sent écrasé et aussi parfois rebelle. C'est dans la dialectique entre cet écrasement, ce sentiment de culpabilité indéracinable chez lui, et la rébellion que se situe l'un des aspects de la religiosité de Baudelaire. Mais ce n'est pas le seul, bien sûr, parce que cette religiosité est dominée également dans l'ordre psychique par le sentiment d'un paradis perdu, lequel paradis perdu est visiblement à travers toute l'œuvre, à travers les lettres, les rapports avec la mère et l'enfance, et l'enfance vécue auprès de la mère, dans la solitude avec la mère. C'est curieux, il nous a fait beaucoup de confidences sur cette vie intime, et en même temps on ne peut guère arriver à la dessiner, sauf dans ses rapports avec les femmes. Alors là où vraiment, il ne s'agit plus de confidence, car il en fait finalement beaucoup moins. Ce qu'il fait surtout, là, il crée des œuvres qui sont tout à fait symboliques de la complexité du rapport, qui est, lui, alors chargé de religiosité d'une part, chargé de rébellion et de satanisme de l'autre. Son Satan est tout de même... C'est un autre Christ un peu, non? C'est un... oui, un anté-Christ, mais c'est une espèce de Prométhée qui veut ravir à Dieu la lumière. C'est au fond un Prométhée, le Satan de Baudelaire. Nous sommes au-dessous d'un plafond de cette chapelle décorée par Delacroix qui représente Saint-Michel terrassant le dragon et le chassant du paradis terrestre. Et je pense que à une expression de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, dans ses odes à Satan,
Il le présente comme père adoptif de ceux qu'en sa noire colère du paradis terrestre a chassé Dieu le Père. Ouais. Donc c'est tout de même presque un Satan Jésus qui accueille, rédempteur, qui accueille les victimes de Dieu. Oui, Musset, enfin il y a, aussi, il y a là un moment limite de sa pensée et de, probablement de son conflit intérieur. On le comprend. C'est peut-être dans la mesure même où il ressent toute la douleur de l'exclusion, de l'exil définitif, que cette rébellion agite en lui. En fin de compte, ce Satan est aussi un Lucifer. C'est celui qui permet à l'homme de se libérer de l'exclusion et de se créer à lui-même son lieu, sinon son lieu natal, du moins son lieu de liberté et d'adoption. Moi, je suis plus frappé quand même dans toute cette œuvre par le malheur, hein, dans l'œuvre et dans la vie. Je crois que c'est un malheur psychique fondamental et que là, toute sa thématique de la souffrance rédemptrice doit être envisagée pour comprendre sa religiosité, beaucoup plus que l'idée de la révolte chez lui. Vous parlez de religiosité plutôt que de religion à propos de Baudelaire. Oui, parce que je n'arrive pas à concevoir le rapport direct avec le Jésus chrétien dans son aspect ecclésial et communiel, mais ça ne veut pas dire du tout que dans mon esprit cela diminue l'importance de la vie spirituelle de Baudelaire. Oui. Il y a toujours chez lui une figure de type charnel et qui est le lieu de sa culpabilité, une figure de type idéal. Finalement, de sa mère, il aurait bien voulu faire le lieu de rencontre des deux aspects de sa personnalité. Mais est-ce que finalement, le seul culte, la seule religion qui est une, n'est pas une religion pour sa mère, pour cette sorte de déesse-mère ? Une déesse qu'il haïssait aussi. Tout et vous rapprochez à ce moment-là les deux dimensions spirituelles et érotiques. Ce même culte. Peut-être la figure de la mère est-elle centrale et peut-être en effet cela domine-t-il toute sa vie active, toute sa vie d'homme. Et pourquoi ? Bien parce que c'était ce que certains psychanalystes appellent un fils amant, n'est-ce pas ? Très attaché à la mère, au féminin, qui était pour lui le lieu du rapport avec la réalité suprême. On en revient toujours à cette difficulté de concevoir le rapport entre Baudelaire et Dieu Père. La figure du Père n'apparaît pas, elle est oblitérée. Et cela vient... C'est tout de même Dieu plutôt que Jésus. Oui, sauf que Jésus apparaît bien sûr comme à la fois parfois le consolateur, mais aussi celui qui s'est complu par le sacrifice à la volonté du Père, ce que naturellement Baudelaire refuse, parce qu'il refuse la figure du Père. Il l'a refusé dans son Père, il l'a refusé chez le général Opic, et il l'a refusé pour de bonnes raisons, pour ce qui est entre autres du général Opic qui lui avait volé sa mère, mais en général il s'est toujours senti aussi brimé par une force supérieure qui l'a empêché d'être complètement lui-même et viril. Vous pensez à son conseil judiciaire, par exemple. Baudelaire a toujours été infantilisé. D'où la rébellion avec le père, d'où la volonté de l'exclure, mais aussi l'incapacité d'arriver à se substituer à lui, à devenir lui-même père. Nous traversons un certain nombre de couloirs du palais de justice et nous arrivons ici
côté entrée qu'est des Orfèvres, au tribunal de grande instance aujourd'hui, et nous apercevons l'indication 6e chambre. Il s'agit évidemment de bâtiments neufs, beaucoup plus récents, évidemment, que n'a pas connu Baudelaire. Alors nous allons entrer, si vous voulez, dans cette 6e chambre. La salle est vide, évidemment, sa décoration est une décoration moderne. Elle ne nous évoque guère ce que la salle où est venu Baudelaire à l'époque du procès. Alors, si vous voulez, faisons un petit retour en arrière pour voir un petit peu quelles ont été les réactions de la critique après la publication, la mise en vente des Fleurs du Mal en juin 1857. Oui, très peu de temps après la mise en vente, paraît dans le Figaro un article assez violent contre les Fleurs du Mal, article que Baudelaire croira même avoir été dicté ou inspiré par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que c'est possible historiquement? Ce n'est pas impossible puisque Flaubert, ayant été accusé pour les Fleurs du Mal, ayant été relaxé, on avait besoin de faire régner de nouveau l'ordre sur la littérature et Baudelaire, qui n'avait pas de protection, était une victime assez désignée. Et le signataire de cet article, Gustave Bourdin, est tout de même le gendre du directeur du Figaro. Donc on peut penser à une opération tout à fait préméditée. Une opération préméditée, peut-être aussi la nouveauté de la poésie de Baudelaire facilitait-elle la tâche à Bourdin. Bon, il y a eu d'autres articles, d'autres réactions, oui. Certaines attaques extrêmement violentes et au contraire des articles élogieux. Des articles élogieux, mais ces articles qui étaient préparés et pas encore publiés pour un certain nombre d'entre eux devront attendre que la justice ait pris une décision, car la justice va intervenir, la voie administrative va être suivie et Baudelaire va apprendre que les exemplaires sont saisis. Et il écrit à son éditeur... Il y a eu un rapport au ministère de l'Intérieur qui date du 7 juillet. C'est tout de même très proche de la date de sortie du livre du 21 juin et du premier article dans le Figaro de Gustave Bourdin, c'est-à-dire le 5 juillet. Oui, on peut établir comme une relation de cause à effet entre la publication de l'article et la mise en marche de la machine de la justice, oui. Et par contre, l'article dithyrambique, l'article d'éloge sur les Fleurs du Mal, qui paraît dans le Moniteur sous la signature d'Édouard Thierry, date, lui, du 14 juillet. Oui, Baudelaire en a attendu impatiemment la publication, puisque le Moniteur étant le journal officiel de l'Empire, il pouvait croire qu'un article aussi élogieux le déchargerait de l'accusation qu'on faisait peser sur lui. En fait, il n'en fut rien et la machine continua sa marche implacable. Et le 17 juillet, il y a une information qui est lancée contre Baudelaire. Oui, et les exemplaires ont été saisis auparavant. Si bien que le 11 juillet, Baudelaire écrit ce mot rapide à Poulet Malassis, vite, vite, cachez, mais cachez bien toute l'édition. Vous devez avoir 900 exemplaires en feuille, donc des exemplaires qui ne sont pas encore pliés, qui ne sont pas encore brochés, et on va en effet en retirer un certain nombre de la vente qui vont échapper à la mutilation que va entraîner la condamnation. Alors après cette poursuite qui date donc du 17 juillet, quel est le comportement de Baudelaire? Bien, Baudelaire va se chercher des protecteurs. Flaubert en avait trouvé un en la personne de la princesse Mathilde qui était intervenue et Baudelaire va chercher en envoyant des exemplaires sur grand papier des Fleurs du Mal, il va chercher à attendrir le ministre de la Justice, d'autres personnages haut placés. Il n'y parviendra pas et en dernier recours il demandera à Madame Sabatier dont il a fréquenté peu, mais dont il a certainement fréquenté le salon avant 1857, il demandera à Madame Sabatier, qui est assez bien introduite auprès de personnages puissants, d'intervenir pour lui. Et alors va se nouer une intrigue, mais qui, là, n'a plus rien à voir avec la poursuite en justice. Choisit-il comme défenseur? Eh bien, il choisit Maître Chay d'Estanges, qui est le fils de celui qui va devenir le procureur général. C'est un jeune avocat qui fera tous ses efforts pour bien défendre Baudelaire. Mais je crois que la cause était entendue, car on avait décidé, je pense, de condamner Baudelaire, puisqu'on n'avait pas pu condamner Flaubert. Alors, le 20 août 1857, Baudelaire arrive donc dans ce palais de justice et il entre dans la 6e chambre correctionnelle du tribunal de la Seine où va se dérouler le procès avec un réquisitoire de substitut Ernest Pinard. Oui, Ernest Pinard, qui est un magistrat déjà assez important, et aux ordres du pouvoir réellement, on va le voir devenir ministre de l'Intérieur au moment de l'Empire libéral, donc au dernier mois de l'Empire second.
C'est lui qui a déjà requis contre Flaubert. C'est lui qui a requis contre Flaubert et qui, bien entendu, n'ayant pas obtenu satisfaction, va requérir avec d'autant plus de violence contre Baudelaire. Une violence qui va d'ailleurs être relativement atténuée, car on reconnaîtra que certaines des intentions de Baudelaire étaient plus pures qu'on ne le croyait d'abord. Et alors comment se défend-il? La défense de Baudelaire est une défense qui consiste à accumuler ce qui, dans la littérature normalement publiée, consiste déjà en atteinte à la pudeur, à la morale publique. N'oublions pas qu'il y avait d'abord deux chefs d'accusation. Atteinte à la morale religieuse pour un certain nombre de pièces, dont le reniement de Saint-Pierre, et atteinte à la morale publique par obscénité. Or, dans des œuvres de Lamartine, de Béranger et de bien d'autres, on trouve des passages qui peuvent être attentatoires à la morale publique. Et ce sont ces passages, dans Théophile Gautier aussi, Mademoiselle de Maupin, ce sont ces passages que Maître Chédestange va lire devant le tribunal. Mais cela n'emporte pas la conviction des juges et la condamnation va être prononcée avec des attendus dans lesquels vont figurer un mot qui était un mot très dangereux à l'époque, le mot réalisme. Courbet est comme un anarchiste dans cette société du Second Empire, depuis surtout le grand événement de 1855, l'exposition de l'atelier et des autres œuvres contre l'exposition officielle, et être réaliste, c'est être au fond, à l'époque, anarchiste, si je puis un peu grossir et souligner les choses. Donc le système de défense de Baudelaire, c'est d'abord de dire « je ne suis pas le premier à écrire ce que j'écris, il y a d'autres écrivains avant moi et qui ont été reconnus, eux qui l'ont fait, donc ils s'abritent sous ses gloires », et d'autre part, c'est peut-être aussi une certaine allégeance à la morale dominante, dans la mesure où il dit « mais au fond, j'ai mis en valeur, j'ai célébré ces fleurs du mal pour dénoncer le mal ». Oui, alors il reprend la... Pas pour en faire l'apologie. Il reprend un élément d'une topique ancienne que l'on trouve dans la préface de la Phèdre de Racine, aussi bien que de la préface des Liaisons dangereuses de Laclos. « J'ai montré le mal, mais c'est pour écarter mes lecteurs du mal ». Je crois que personne ne peut être dupe de ce genre de raisonnement. Alors, Baudelaire est condamné le jour même avec ses co-inculpés, c'est-à-dire le 20 août 1857. Le jugement est sévère? Le jugement est sévère, 300 francs d'amende et la suppression de 6 pièces. 6 pièces au lieu de 13 dans la 6 pièces au lieu de 13, plus les pièces qui auraient été retenues au titre d'atteinte à la morale religieuse, chef d'accusation qui a été ensuite abandonné. Baudelaire doit être tout de même content du résultat de ce procès, puisqu'il renonce à faire appel. Il va simplement demander une remise de l'amende à laquelle il est condamné, oui, à l'impératrice. 300 francs, c'est lourd pour un poète impécunieux. Et il va, peu de temps après le procès, écrire une lettre très officielle, très cérémonieuse à l'impératrice, et il obtiendra satisfaction après quelques mois. Mais reste que les pièces condamnées sont condamnées, non seulement du vivant de Baudelaire, mais sont condamnées ad aeternam, si je puis dire. À quelle époque elles seront réinsérées dans les Fleurs du Mal? Elles ne pourront être réinsérées dans les Fleurs du Mal qu'à partir de septembre 1946, grâce à une loi qui a été votée pratiquement pour que les pièces condamnées puissent figurer de nouveau dans les Fleurs du Mal. À deux pas des grands boulevards, entre la rue de Richelieu et le boulevard des Italiens, il y a sur ces grands boulevards d'ailleurs un certain nombre de passages avec des magasins. Et le petit que nous empruntons est aujourd'hui le passage des Princes, qui au XIXe siècle s'appelait le passage Mirès. Oui. Et c'est un des lieux où Poulet-Malassy a eu le siège de sa maison d'édition et de sa librairie. Oui, ce passage doit son nom à un affairiste, Zola dirait un saccard du Second Empire, Mirès, et Poulet-Malassy s'est vraiment établi ici en 1860, après avoir eu au fond un dépôt rue de Bussy, puis une maison rue des Beaux-Arts entre 58 et 60. Et ce passage Mirès ou passage des Princes est cher à tous les baudelairiens, puisque c'est ici que Poulet-Malassy a édité la deuxième édition des Fleurs du Mal en 1861.
Quel était le personnage de Poulet Malassi? C'était un petit éditeur. C'est un petit éditeur, mais il est le rénovateur de la composition typographique. Il utilise des caractères rouges et noirs sur les pages de titre et les couvertures. Et il a surtout un esprit extrêmement curieux qui lui fait rechercher des auteurs tout à fait nouveau. Et c'est ainsi qu'il s'attache à Baudelaire, mais non seulement à Baudelaire, à Gautier, à Banville, à Lecomte de Lisle, qui représente la jeune poésie par opposition à la génération de Hugo, Vigny, et même Musset et Sainte-Beuve. Malassi est au fond un homme du 18e égaré dans le 19e siècle. Et son côté libertin, son côté frondeur, il le tient au fond de cet aspect, de ses racines du 18e. Pourquoi perd-il la propriété de la publication des œuvres de Baudelaire après la mort de Baudelaire? Parce que Poulet Malassi n'était propriétaire que de quelques œuvres. Et Baudelaire, peu gentiment, a vendu en même temps à Hetzel les droits qu'il avait déjà vendus à Poulet Malassi. Donc il a fallu désintéresser Poulet Malassi, et Poulet Malassi a fait de très mauvaises affaires. S'intéresser avec trop de générosité à la jeune littérature, ce n'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent. Et Poulet Malassi est obligé de s'enfuir en Belgique parce qu'il a été mis en prison pour dette, et qu'ensuite, ayant mis un peu d'ordre dans ses affaires, il est allé faire de l'édition clandestine en Belgique des ouvrages libertins qu'il ne signait pas toujours, qu'il faisait imprimer par de petits imprimeurs de Bruxelles. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la vente par adjudication. Oui, et Poulet Malassi n'était d'ailleurs pas à Paris. Il n'est rentré qu'après le 4 septembre. Et ses opinions républicaines faisaient de lui quelqu'un d'indésirable en France. Pichois, nous sommes venus à la bibliothèque Jacques Doucet, au sein de la bibliothèque Sainte-Geneviève, pour consulter un certain nombre de documents Baudelaire, des manuscrits de correspondances, de lettres, des manuscrits également de poèmes, des dessins, et puis des éditions originales de l'œuvre de Baudelaire. Très beaux exemplaires, oui. En fait, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de bibliothèque où l'ensemble des manuscrits de Baudelaire ait été regroupé. Non, les manuscrits ont été dispersés et les lettres se sont retrouvées dans plusieurs grandes collections, dont la bibliothèque Jacques Doucet, qui était d'abord la collection du grand couturier Jacques Doucet, qui a été légué à l'Université de Paris. Mais en fait, la plupart des manuscrits ne se trouvent pas dans les collections publiques. Ce sont des collectionneurs privés qui les possèdent. Actuellement encore, oui. Lorsque Baudelaire est mort, il apparaissait comme un poète maudit. De même en va-t-il pour Nerval. Ainsi, les bibliothèques publiques collectionnaient, achetaient des documents anciens d'abord. Mais si elles achetaient des documents relativement récents, c'était des documents, des lettres, des manuscrits littéraires qui ne provenaient pas d'un poète qui avait été condamné par le tribunal correctionnel pour immoralité. Et il est normal donc que ce soit les collections privées qui se soient enrichies de ces documents, qui n'étaient d'ailleurs pas très coûteux à la fin du 19e siècle et qui sont maintenant cotés extrêmement cher dans les ventes publiques, ce qui rend donc difficile l'acquisition aux bibliothèques d'État. Alors on nous a sorti un dossier où il y a un certain nombre de documents de Baudelaire qu'ils ont conservés par la bibliothèque Jacques Doucet. Et admirablement conservés, oui. Quels sont les plus importants? Bien, nous avons dans cette collection nombre de lettres adressées par Baudelaire à Poulet Malassi au moment où s'élabore le recueil des Fleurs du Mal, donc pendant les mois de janvier à avril 1857. Poulet Malassi est encore imprimeur à Alençon, tout en ayant une petite maison d'éditeur à Paris. Et Baudelaire lui envoie des recommandations, des admonestations. Et Malassi, le temps est très vif parfois. Le temps est très vif, ouais. Oui. Malassi réagit avec un peu d'humour, heureusement. Ouais. Sinon, les deux amis se seraient brouillés. Oui, je dis par exemple, dans une lettre là, que nous avons sous les yeux, il s'adresse donc à Poulet Malassi. « Vous me traitez comme un fou, je voudrais bien vous voir vous-même risquer un ouvrage de vous dans des conditions non absolument satisfaisantes. »
Mais il termine tout de même en l'assurant votre bien dévoué. Et dans une autre lettre, nous voyons une farouche protestation. Baudelaire écrit à Poulet-Malassis: « Vous ne voulez donc pas me montrer la couverture ?» Et cette phrase est suivie d'une trentaine de points d'exclamation. Rageur. Alors, à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet est conservée une précieuse liste de services de presse. Baudelaire se proposait donc de faire parvenir les exemplaires de la première édition des Fleurs du Mal à un certain nombre de critiques pour obtenir des comptes rendus dans les journaux et un certain nombre de personnages puissants. C'est ainsi qu'on voit le nom du ministre d'État et du chef du cabinet de ce ministre d'État, du ministre de l'Instruction publique. Et Baudelaire craignait en effet les foudres de la justice, il n'avait pas tort de les craindre. Et à côté... Il y a des écrivains aussi, de renom. Il y a des écrivains de renom, mais ces écrivains de renom sont pris comme critiques, qui écrivent dans des journaux, dans des revues, ainsi que... Le comte de Lille doit faire un article dans l'Artiste. Asselineau, l'ami fidèle, doit faire un article dans la Revue Française, qu'il fera, en effet. Et nous voyons... Il y a Bulose, également le directeur de la Revue des Deux Mondes. La Revue des Deux Mondes, qui était la première à publier les poèmes des Fleurs du Mal. C'était la première fois que le titre Fleurs du Mal était employé, en 1855. Et sous la rubrique Angleterre, nous voyons également le nom de Victor Hugo, puisque Victor Hugo se trouve dans les îles anglo-normandes, et Baudelaire tient à lui envoyer un exemplaire des Fleurs du Mal, dont on sait qu'il a été en effet envoyé. Et c'est à la suite de cet envoi que Victor Hugo va adresser une lettre très élogieuse à Baudelaire. Oui, un des manuscrits les plus précieux, ce n'est pas un manuscrit de poèmes, c'est un manuscrit dans lequel Baudelaire a regroupé un certain nombre de vers ou de strophes, ou de fragments de strophes. Il a intitulé cette réserve « Bribes ». Il l'a sans doute emporté avec lui en Belgique et elle a été rapportée avec ses affaires et ses papiers de Belgique à Paris. Et on trouve d'admirables vers qui sont d'ailleurs assez apparentés parfois à des poèmes publiés. Je lis le premier vers qui est comme une sorte de vers donné, dirait Valéry. Ange habillé d'or, de pourpre et d'hyacinthe, et des strophes qui deviendraient des spleens. Grand ange qui portait sur votre fier visage la noirceur de l'enfer de vous êtes monté, dompteur féroce et doux qui m'avait mis en cage pour servir de spectacle à votre cruauté, cauchemar de mes nuits, sirène sans corsage qui me tirait toujours debout à mon côté par ma robe de saint ou ma barbe de sage pour m'offrir le poison d'un amour effronté. Et ici, un point virgule, une ligne de point, donc le poème n'est pas terminé. On sent de ces élans de création poétique qui sont ensuite arrêtés. Il y a peu de dessins dans ces manuscrits, mais il y en a un. Une des pièces les plus curieuses qui soit, c'est un portrait d'une jeune femme, jeune fille peut-être, en tout cas théâtreuse, Berthe, et Baudelaire a fait son portrait, elle a d'ailleurs un air assez équivoque. Très masculin. Oui, et Baudelaire a fait son portrait à la plume, et il a pris deux notes qui se répondent à gauche et à droite de ce portrait. Je lis à gauche, « Comme pendant le dîner, je regardais les nuages par la fenêtre ouverte, elle me dit, « Allez-vous bientôt manger votre soupe, sacré marchand de nuages ?» Et à droite, cette dédicace à une horrible petite folle, souvenir d'un grand fou qui cherchait une fille à adopter et qui n'avait étudié ni le caractère de Berthe, ni la loi sur l'adoption. Et c'est signé Bruxelles 1864, et vraisemblable que c'est de Bruxelles que Baudelaire a envoyé ce montage, portrait, remarque et dédicace à Berthe qui était à Paris. Et nous avons ici le germe d'un des poèmes en prose les plus curieux, La soupe et les nuages. «
Nous venons de pénétrer dans l'une des maisons d'édition les plus anciennes de Paris, je veux dire, qui appartiennent depuis le plus longtemps à la même famille d'éditeurs, la famille Calvin Levy. Et nous sommes venus ici parce que Charles Baudelaire n'a pas eu simplement des relations avec Poulet Malassis comme éditeur, mais également avec Michel Levy. Oui, Michel Levy a d'ailleurs été un grand éditeur du 19e siècle. Un des plus grands éditeurs du 19e siècle et un éditeur très hardi pour son temps. Et Baudelaire a traité avec lui pour l'un de ses premiers livres, un de ses tout premiers livres, Le Salon de 1846, qui est paru sous le nom de Michel Levy frère. Et dans les années qui suivent, Baudelaire pense à Michel Levy pour éditer Les Fleurs du Bal. L'affaire ne se fera pas. Pour quelle raison? Peut-être Michel Levy a-t-il été un peu lassé par les continuelles promesses et les délais renouvelés de Baudelaire, qui ensuite se sera donc tourné vers un éditeur différent et plus jeune et tout aussi hardi. Peut-être Michel Levy a-t-il eu aussi un peu peur de ce recueil dont la nouveauté s'accompagnait d'une autre hardiesse, puisque aussi bien le procès a eu lieu. Toujours est-il qu'il a pensé à Michel Levy comme éditeur des Fleurs du Mal, bien avant 1857. Est-ce que c'est à l'initiative de Michel Levy que Baudelaire devient le traducteur d'Edgar Poe? Je ne pense pas, non, c'est parce que Baudelaire a trouvé en Edgar Poe un extraordinaire conteur qui permettait de donner un successeur à Hoffmann. C'est parce qu'il a rencontré Poe dans des traductions françaises d'un journal fourriériste qu'il s'est intéressé à Poe. C'est donc une raison philosophique. La maison Calvin Levy, à l'heure actuelle, se trouve sur la rive droite, rue Aubert, dans une vieille maison, mais une maison tout de même qui a été construite dans les années 1860. Et lorsque Baudelaire venait voir Michel Levy, ce n'était pas ici, c'était rue Vivienne. Et nous avons sous les yeux un document extrêmement intéressant, c'est le contrat qui lie Baudelaire à Michel Levy, frère, demeurant à Paris rue Vivienne, de bis, pour les traductions des œuvres d'Edgar Poe. Oui, les traductions d'abord parues dans des journaux. Et Baudelaire a constitué en volume un certain nombre de ces traductions, et même toutes les traductions, mais ces volumes ne correspondent pas à des titres de volumes américains. Donc Baudelaire constitue les histoires extraordinaires, il les propose à Michel Levy en 1856, et c'est immédiatement le succès. D'ailleurs, le titre est admirablement trouvé, et Michel Levy publie ces histoires extraordinaires dans une collection qui est relativement bon marché pour l'époque. D'où des nouvelles histoires extraordinaires qui paraissent en 1857, puis les aventures d'Arthur Gordon Pym, un livre numéro 4 beaucoup plus difficile, Eureka, et enfin, lorsque Baudelaire sera en Belgique, ce qui entraînera une abondante correspondance avec Michel Levy et avec Noël Parfait, qui est son secrétaire, le recueil d'histoires grotesques et sérieuses. Le contrat signé est fait pour la somme, donc pour ces 5 volumes, pour la somme de 2000 francs. Baudelaire, en 1863, a été étranglé par la vie et du tout à coup réglé des dettes criardes. Et à ce moment-là, il a traité avec Michel Levy et il a abandonné tous ses droits sur les traductions parues et sur les traductions à paraître, si bien que pour 2000 francs, il cédait au fond l'ensemble des traductions d'Edgar Poe à Michel Levy. Or, c'était les traductions d'Edgar Poe qui se vendaient le mieux parmi toutes les œuvres de Baudelaire. Autre document original extrêmement émouvant qui date du 4 décembre 1867, c'est l'acte d'adjudication des œuvres de M. Baudelaire, avec un E, encore B-E-A-U, au profit de M. Michel Levy, et c'est un acte qui est passé par Maître Rénal, notaire à Paris. Rue Saint-Ferdinand des Ternes. Nous ne sommes pas loin des propriétés que la famille Baudelaire possédait aux Ternes et dont une partie était d'ailleurs passée sur le territoire de Neuilly à partir de 1860. Michel Levy, qui avait déjà toutes les traductions de Poe, 5 volumes, était évidemment intéressé par les œuvres de Baudelaire. Ces œuvres que Baudelaire avait lui-même cherché à placer chez des éditeurs franco-belges à Bruxelles et que de Bruxelles, par l'intermédiaire de Maître Ancel, il cherchait à placer aussi bien chez Michel Levy que chez Julien Lemaire ou chez d'autres éditeurs. Mais disons que Michel Levy, ayant les traductions de Poe, était celui qui était le plus intéressé à voir les œuvres complètes de Baudelaire. Et c'est lui, en effet, qui va les publier un an après la mort de Baudelaire et jusqu'au-delà de la guerre de 1870.
Seulement, il était nécessaire de faire une vente publique pour des raisons juridiques. Et il y a donc eu adjudication de l'ensemble des œuvres pour la somme, si mon souvenir est exact, mais le document que nous avons sous les yeux va nous le préciser, pour la somme de 1000 francs environ. Mais la propriété littéraire et le droit à la publication des œuvres ci-après composées par M. Baudelaire, savoir premièrement Les Fleurs du Mal, y compris 11 pièces nouvelles devant former un volume. Deuxièmement, un ouvrage sur les beaux-arts comprenant divers salons et articles parus dans différents journaux et devant former un ou deux volumes. Troisièmement, les paradis artificiels, les poèmes en prose et des notices littéraires sur quelques contemporains, le tout devant former deux ou trois volumes. Ne sont pas compris dans la vente, précise l'acte d'adjudication, les traductions d'Edgar Poe et les notices littéraires sur le même auteur dont M. Baudelaire avait disposé de son vivant et évidemment que détenait déjà Michel Lévy. Il y a une petite note là qui est signée en selle qui se trouve épinglée au document de l'adjudication. Oui, monsieur, est adressé à Michel Lévy, monsieur, je m'empresse de vous informer que l'adjudication a été faite aux conditions entendues à votre profit. Monsieur Asselineau, qui était l'ami fidèle de Baudelaire dans la vie et après la mort, a été votre mandataire. On va faire l'expédition et je vous la porterai... En vous demandant les 2000 francs. Ah, les 2000 donc, francs. Donc, il avait bien donc, obtenu l'adjudication à 2000 francs. Pour 2000 francs. Oui. Et c'est Asselineau, en effet, qui, avec Théodore de Banville, va s'occuper de la distribution de ces matières qui n'étaient pas encore organisées dans les différents volumes qui vont former les œuvres complètes de Baudelaire de 1867 à 1870. Ah, voici la tombe de la famille Aupic. Elle se trouve dans la 6e division du cimetière sud, c'est-à-dire du cimetière Montparnasse, et elle est ici sur une deuxième rangée par rapport à l'allée en contrebas. C'est une tombe extrêmement sobre qui ne comporte pratiquement aucun monument, avec simplement une plaque de marbre sur laquelle sont inscrites les personnes qui se trouvent enterrées ici, et en tout premier lieu Jacques Aupic. Général de division, sénateur, ancien ambassadeur à Constantinople et à Madrid, membre du Conseil général du département du Nord, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de plusieurs ordres étrangers, décédé le 27 avril 1857 à l'âge de 68 ans. Et puis tout de suite derrière, Charles Baudelaire, son beau-fils, décédé à Paris à l'âge de 46 ans le 31 août 1867. Et en troisième lieu, la mère, Caroline Archambault de Faïs, veuve en première noce de M. Joseph-François Baudelaire, en seconde noce de M. le général Aupic, et mère de Charles Baudelaire, décédée à Honfleur le 16 août 1871 à l'âge de 77 ans. C'est-à-dire 4 ans après la mort de Baudelaire. Oui, mais je remarque qu'on ignore ce que sont devenus les restes de Joseph-François Baudelaire. La concession n'avait pas été renouvelée. C'est dire, elle a été probablement acquise au moment de la mort du général Aupic. Oui, c'est dire que le peu d'intérêt que l'on portait au père même du poète. Finalement, la maladie de Baudelaire a duré dans sa phase aiguë relativement peu de temps, puisque c'est à partir de mars 1866 qu'il est frappé par une première crise. Oui, il y a déjà eu des crises à Bruxelles, puis à Namur, dans la merveilleuse église baroque Saint-Loup. L'église Saint-Loup, oui. Il est atteint par les premiers effets de l'ictus hémiplégique. On le ramène ou on le rapporte à Bruxelles. Il ne peut pas rester à Bruxelles et on va donc le transporter en juillet 1866 à Paris. Et il entre dans un établissement, une clinique, établissement hydrothérapique du docteur Duval. La maison a disparu, c'était près de l'Étoile, rue du Dôme, et c'est là qu'il va mourir le 31 août 1867. Mais ça a été tout de même une longue agonie, et si vous pensez qu'il a été le merveilleux artisan du verbe d'être aphasique, je ne vois pas de pire supplice, d'autant qu'il était
si l'on en croit les témoignages, il était conscient de cette impossibilité à s'exprimer. C'est curieux parce qu'il y a une sorte de fatalité qui tombe sur les personnages autour de Baudelaire, avec cette hémiplégie, avec cette paralysie qui frappe d'abord Jeanne Duval, puis Baudelaire lui-même, oui, et puis sa mère quelques années plus tard. Et donc il faut penser à une constitution, au sens de tempérament, artériosclèreuse sans doute, n'est-ce pas? Et ainsi la maladie dont nous parlions, la syphilis, n'est pas seule responsable de la mort de Baudelaire. Les obsèques de Baudelaire ont eu lieu le 2 septembre 1867, oui, ici dans ce cimetière Montparnasse. Oui, c'était encore l'été, il y avait peu d'amis présents. Gautier lui-même était à Genève, je crois, et quelques discours ont été prononcés, notamment par Théodore de Banville et par Charles Asselineau, si bien que les obsèques se sont passées très discrètement. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux. Plutôt que d'implorer une larme du monde, vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Ô ver, noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux, philosophe et viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords, et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Un homme, une ville, Baudelaire à Paris avec Claude Pichois, par Jean Montalbetti. Cette troisième et dernière émission avait pour thème un martyr romantique, avec la participation du poète Pierre-Emmanuel. Les poèmes des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire ont été lus par Daniel Mesguich. Prise de son Jean-Marie Charon, mixage Jean-Pierre Juncker et Serge Libert, réalisation Pierrette Perronneau. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 juin 1980. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».